Et yo tout le monde, c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour le lancement d'un nouveau Let's Play sur la licence Pokémon. Ça me fait ultra plaisir de retourner sur un jeu Pokémon parce que honnêtement, ça commençait un petit peu à me manquer. Et eh bien, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon version Cœur d'Or du coup avec... qu'on voit sur l'écran titre. Donc bah écoutez, c'est un jeu qui est donc avec Âme d'Argent, un remake de Or et Argent, qui est sorti donc sur DS et qui se base sur la deuxième génération de Pokémon, génération que je n'ai pas encore faite sur la chaîne. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu aussi pressé de commencer ce let's play, parce que bah écoutez, ça va me faire un petit peu des souvenirs et c'est toujours sympa. Donc bah écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça. Comme d'habitude, je suis toujours sur Deathmume, je tourne toujours avec la manette, enfin voilà. Comme mes autres let's play hein, globalement sur DS. Donc on est parti pour eh bien justement commencer notre aventure. Je vais tout d'abord t'apprendre les choses importantes concernant ce jeu. Avec ton stylet, touche le sujet que tu veux aborder sur l'écran inférieur. Pour le coup, on va pas avoir besoin d'infos, on sait se débrouiller, on sait jouer à Pokémon, hein. Intéressant. Oh désolé, j'étais plongé dans un livre. Désolé de t'avoir fait attendre. Bienvenue dans le monde de Pokémon. Mon nom est Shen, mais tout le monde m'appelle le professeur Pokémon. Tu débutes tout juste ton aventure, je me trompe? Laisse-moi tout d'abord t'enseigner les bases de ce monde. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Un petit Marill. Nous, les humains, vivons avec les Pokémon. Il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Certaines personnes utilisent les Pokémon pour combattre et créent un lien très fort avec eux. Moi, je me contente de faire des recherches pour que nous en sachions plus sur les Pokémon. Mais avant tout, parlez-moi un peu de toi. Es-tu un garçon ou bien une fille? Dis-moi tout. Alors, est-on un garçon ou une fille? Je suis évidemment un garçon, mais chose que je n'ai jamais faite sur ma chaîne, je n'ai jamais pris le perso féminin, et en l'occurrence, sur cette version, eh bien, je préfère largement le personnage féminin. Je trouve qu'il a... Elle est marrante, avec ses couettes, son petit chapeau, son petit béret, là. Donc, du coup, en fait, on va jouer le personnage féminin, donc qui, je crois, s'appelle Celestia, à la base, et le perso masculin, je crois que c'est Luca. Luca, ça doit être... Je sais plus comment il s'appelle. Luca, je crois que c'est dans Diamant et Perle. Non, je sais plus son nom. Mais en tout cas, nous, on va jouer donc le personnage féminin. Je suis une fille. Oui. Je suis une fille. Comment t'appelles-tu? Ah bah alors, du coup, on va pas pouvoir mettre Génio, parce que Génio, c'est un prénom masculin. Mais on va quand même rester avec notre pseudo, on va juste mettre, voilà, Genia. Tout simplement, l'alter ego féminin est arrivé. Ok, tu t'appelles Genia, oui, tout à fait.
Tout à fait, tout à fait. Bon, il y a plein de jeux où je m'appelle Genya, hein, où je joue des filles, hein, notamment. Le moment est venu, Genya. Tout est prêt. Tu es sur le point d'embarquer pour une aventure unique. Tu vas vivre des moments de joie, d'autres de peine. Tout un monde de choses à expérimenter. Allez, plonge dans le monde des Pokémon. Sur ce, à très bientôt. Et donc, nous voici. On rétrécit. On rétrécit, non. On arrive, du coup, à la taille du jeu, du coup, au contrôle, aux manettes de, du coup, eh bien, Genya, cette fois-ci. Et ouais. Et donc, eh bien, on est dans notre petite chambre, donc je peux regarder vite fait sur le PC, hein. Je pense qu'on va avoir l'habituelle petite potion. Vous allumez votre PC, vous regardez vos messages. Ok, ah, on a un message de... Ah, bah voilà, il s'appelle Lutte. Voilà, il s'appelle Lutte, puisque je pense que c'est lui qui nous a envoyé un message. Que faire avec la lettre de Lutte? On va la lire, écoutez. Aventure, nerveux, j'adore Pokémon. Lutte. D'accord. Ah ouais, lui, il est très... Comment dire, il est très très concis, hein, pas de fioritures. Donc, avant, eh bien, de sortir de ma chambre, vous l'aurez certainement vu au titre de la vidéo, au layout, à la miniature, il y a marqué partout Baby Challenge. Alors, qu'est-ce que c'est que le Baby Challenge, puisque bah, globalement, c'est un challenge qui n'existe pas, vu que c'est moi qui l'ai inventé. Ou alors, peut-être que d'autres gens l'ont fait, mais pour le coup, bah, je ne suis pas du tout au courant. Le Baby Challenge, en quoi ça va consister? Eh bien, tout simplement, en fait, je ne vais devoir utiliser, pendant toute la durée du Let's Play, que des Pokémon de ce qu'on dit de base, c'est-à-dire que sans les faire évoluer. C'est là le gros challenge de ce Let's Play. Rappelez-vous, sur Pearl, j'avais fait un starter challenge avec seulement les 3 starters. Et bien là, sur Cœur d'Or, j'avais envie de faire un autre challenge, mais pas de Nuzlocke, parce que, je sais pas, ça m'attire pas le Nuzlocke. J'ai un peu peur du Nuzlocke, je pense. Mais j'avais envie de faire un petit truc à moi aussi, tu vois, qui me challenge un peu, et du coup, eh bien, on va se retrouver avec seulement des Pokémon de base, donc, eh ben, il va falloir qu'on s'en sorte. Alors, je pense que le début, ça va être normal, mais à partir de, je pense, la milieu de jeu, et surtout la fin de jeu, ça risque d'être assez compliqué, mais écoutez, on verra en tout cas ce que ça donne. Et puis, bah écoutez, si vous appréciez un petit peu ce nouveau concept, du coup, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce en l'air et à me donner vos retours sur ce challenge qui, je pense, risque d'être très sympa. Ah, génial, tu es enfin levé. Ou levé aussi. Ton ami Lutte vient de passer et il jouait à chat avec son mari. Au fait, le professeur Horn te cherchait. Je crois qu'il voulait te demander de lui rendre un service. Son laboratoire est juste à côté, tu devrais le trouver tout de suite. À propos, avant de sortir, tu es sûr de n'avoir rien oublié? Range ce dont tu as besoin dans ce sac. Voilà ta carte de dresseur. Ah, parfait. Voici le cahier sur lequel noter ta progression. Parfait. Et enfin, quelque chose de très utile. Essaye de toucher les icônes, tu comprendras tout de suite. Ah, donc c'est plutôt sympa, je me rappelais pas de ça, qu'au fur et à mesure qu'elle nous parlait, les icônes s'allumaient, en tout cas, sur le côté. Bah écoutez, plutôt sympa. Un objet rare peut être assigné à ce bouton. Oui, non, j'ai appuyé sur Y au lieu de X. Alors, du coup, on va aller voir... Alors déjà, dans les options, oui, voilà, on va déjà faire ça. Les animations, on va les laisser en choix, en stéréo, machin, et les fenêtres. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme fenêtre plutôt sympa? Hop. Je regarde un petit peu ce qu'il y a. Alors, j'ai envie de faire un truc... Y a pas un truc genre baby ou je sais pas quoi. Y a les petites étoiles là. Il y en a un que j'avais bien aimé. Non, celui-là, ça fait un peu, je sais pas, garderie ou je sais pas quoi. Celui-là, j'aime bien, écoutez. Les briques, machin. Bon, ça, c'est un peu sobre, c'est juste de la couleur. Ah, en soi, on est sur cœur d'or, donc à la limite, je pourrais mettre ça, mais j'aime bien celui-là, là, avec les petites herbes, les petites fleurs, etc. Allez, on part là-dessus. On part sur ces fenêtres-là. Et du coup, alors, ma carte, qu'est-ce qu'il y a sur ma carte? Donc, il y a mon... j'ai 3000 Pokédollars, il y a mon nom, et pour l'instant, on vient de commencer, nous sommes le 28 septembre 2018, tout à fait. Et il y a les champions, mais écoutez, pour l'instant, on va pas les regarder, hein. Et dans le sac, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, écoutez, on n'a pas l'air d'avoir grand-chose. Non, on a même rien du tout.
On n'a rien du tout. Bah écoutez, on va essayer de sortir, du coup, d'aller voir Lut, si il nous cherchait. Oula, il y a du vent. Ah, il y a Maril. Ça doit être le sien. Ah bah oui, regardez, il sort de chez lui. Ok, on a trouvé son petit Maril, du coup. Ah, voilà, il retourne vers lui. Parfait. Alors oui, il y a une chose que je ne me rappelais plus et que je viens de me rendre compte en sortant ici. Je ne savais plus que ce jeu prenait aussi en compte, tout comme Diamant et Perle, eh bien l'heure à laquelle je tourne. Donc là, évidemment, je tourne. Alors pour tout vous dire, il est 21h presque. Donc forcément, il fait un peu nuit, mais à la limite, j'essaierai de tourner, enfin de décaler l'heure du PC pour essayer de tourner de jour. Ce sera plus sympa, je pense. Alors, où est-ce qu'il fallait qu'on aille? Il fallait qu'on aille au laboratoire, il me semble. Ah non, la maison de Lut, c'est là. Alors, attendez. On va aller voir. Qui êtes-vous, monsieur? Salut, génial. Lut est à l'étage, dans sa chambre. Il s'amuse avec son Pokémon, comme d'habitude. Et toi, tu n'as pas... Tiens. Ah, c'est vrai, tu n'as pas encore de Pokémon. Désolé. J'espère que tu ne m'en veux pas. Oh, mais non, on va pas tarder, je pense. On va pas tarder. Ah, il est là. Est-ce qu'il fallait que je vienne te voir? Je suis même pas sûr. Génial! Le professeur Orme te cherchait et tu es déjà allé à son laboratoire? Non. Je n'y suis pas allé. Voilà. Je savais pas, en fait, s'il fallait que j'aille au labo ou s'il fallait que je vienne te voir en premier. Donc oui, il faut savoir que ce jeu, j'y ai déjà joué, hein, évidemment. Mais je ne connais pas forcément par cœur. Donc, bah écoutez, ça va être un petit peu de la redécouverte également. Ok. Alors, du coup, on arrive dans le labo. Ah, le voici, le professeur Orme. Génial! Je t'attendais! Est-ce que tu sais ce que j'étudie? De nos jours, c'est normal de promener ces Pokémon dans ces Pokéballs. Mais avant qu'elles ne soient inventées, les gens marchaient avec leurs Pokémon à leur côté. Oui, comme ton ami Lut. Bien sûr, l'avantage des Pokéballs, c'est que c'est beaucoup plus pratique. Mais je pense qu'il y a aussi de bons côtés à marcher avec son Pokémon. Peut-être un rapport avec leur développement ou leur évolution. Et justement, je vais te donner un Pokémon pour que tu te promènes avec lui. J'aimerais en savoir davantage sur les relations spéciales qui peuvent se nouer entre humains et Pokémon. Choisis ton Pokémon parmi ceux-ci. Ah, ça sonne. Oh, j'ai reçu un email. Oui, je vois. Écoute voir, j'ai un ami du nom de Monsieur Pokémon. C'est un vieil ami qui crie à la grande découverte dès qu'il voit un truc qui sort de l'ordinaire. Il vient m'envoyer un email disant que, cette fois, c'est pour de vrai. Je pense que c'est encore un œuf de Pokémon. Hélas, j'ai vraiment trop de travail. Ah, je sais. Tu pourrais y aller à ma place, non? Si, hein. Allez, dis oui. Choisis le Pokémon que tu préfères dans cette machine. Ha ha! Et donc, c'est le choix du starter. Touche la Pokéball pour en découvrir le contenu. Ok. Cette Pokéball contient le Pokémon Germignon. Donc du coup, on est bien sur le choix du starter. Donc, deuxième génération. Les starters sont donc Germignon, Caiminus et Hérissant. Et donc, eh bien, écoutez, pour ce Baby Challenge, en fait, j'ai un petit peu regardé les Pokémon que je pouvais prendre, essayer de prendre des types complémentaires, etc., en respectant la règle du Baby Challenge, donc en respectant que des Pokémon de base. Donc, ça veut dire que le starter qu'on va choisir maintenant n'évoluera jamais, en fait, tout simplement. Alors, comment je vais faire ça, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais entre le premier et deuxième épisode, je vais voir comment je peux faire pour me donner 6 pierre stase, donc la pierre stase qui empêche l'évolution, et en fait chaque Pokémon tiendra une pierre stase qui l'empêchera d'évoluer, comme ça on pourra rester toujours avec les Pokémon de base. Donc du coup, eh bien, en fonction de ce que j'ai un petit peu prévu, et en fonction aussi de mes envies, tout simplement, d'habitude, quand je joue à la deuxième génération, mon starter que je prends souvent, c'est Caiminus. Voilà, c'est Caiminus. Donc au début, j'avais essayé de faire une équipe avec Caiminus, et puis, bon, j'avais pas trouvé exactement ce qu'il me fallait. Et puis, vu que je prends tout le temps Caiminus, je m'étais dit, oh, j'aimerais bien justement prendre quelqu'un d'autre. Germignon. J'ai un peu de mal, j'avoue que j'ai un peu de mal avec Germignon, et donc du coup, vous l'aurez compris, nous allons jouer avec Hérissandre, qui sera notre starter, le Pokémon Feu, et donc je le choisis. Et j'ai reçu Hérissandre de la part du professeur Orme, magnifique, et en plus il nous suit. Voulez-vous donner un surnom? Alors non, vous savez que moi les surnoms, j'ai vraiment beaucoup de mal, donc on va le garder en Hérissandre. Alors, c'est agréable de se promener avec son Pokémon comme ça, non?
Continue comme ça jusqu'à la maison de Monsieur Pokémon. Si ton Pokémon se fait mal, soigne-le dans cette machine, elle est très facile à utiliser. Tu n'as qu'à examiner le PC posé sur mon bureau. Monsieur Pokémon se promène un peu partout et ramène toujours quelque chose, quelques bizarreries. Il habite un peu au nord de Ville-Griotte. Je te fais confiance, Genia. Ok, parfait, parfait. Eh ben écoutez, ça y est, on a enfin notre premier Pokémon. Et du coup, on va aller le voir vite fait. Bon, même si je n'y connais rien en stratégie, mais on va quand même regarder. Donc, il est calme. Je ne sais absolument pas ce que ça donne comme boost ou pas boost. A priori, alors en bleu, ça augmente ou ça descend? Je ne sais pas. Je dirais que ça descend. Je dirais que ça descend l'attaque. Et que du coup, en rouge, c'est la défense spéciale. Donc, ça augmente la défense spéciale. Je sais pas si c'est bien. Je dirais que oui. Parce que je crois qu'Hérissand se joue plus avec l'attaque spéciale. Donc, à la limite, qu'on baisse son attaque, c'est pas très grave. Mais j'espère que c'est pas le contraire. Genre que ça augmente son attaque et que ça baisse sa défense spéciale. Mais en tout cas, écoutez, plutôt sympa. Ok, parfait, parfait. Et du coup, il a charge et gros yeux. Donc, il n'a pas encore d'attaque de type feu. Ok, donc, bah écoutez, on a notre première mission d'aller voir Monsieur Pokémon, mais je ne peux pas sortir du labo, on m'interpelle. Génial, prends ceci, ça pourrait être utile. Ah, une potion, voilà, parfait, parce qu'on ne l'avait pas récupéré dans le PC, du coup au moins. Au début, les Pokémon sont encore très faibles, dès que tu te sens un peu en danger, utilise tout de suite une potion. Ok, parfait. Parfait, parfait, on a notre petite potion. Oh. Et il est là avec son Maril. Oh, j'aurais dû prendre Germignon parce que j'ai... il a un Maril. Parce que du coup, j'ai le type faible face à lui. Génial, tu as reçu un Hérissand. C'est bien, c'est un super Pokémon. Si tu le promènes avec toi comme ça, il va t'aimer de plus en plus. Retourne-toi parfois pour lui parler. Ah, tu dois le montrer à ta mère aussi. À plus tard. Le Maril, quoi? Elle a provoqué ou quoi? Ah, attendez, je peux lui parler? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, il a l'air content. Il s'étire pour se mettre à l'aise. Ok, parfait. Et je crois qu'il y a par moment, quand on lui parle, il peut avoir des interactions spéciales et même, je crois qu'il peut donner des petits objets. Oh, génial, quel joli Pokémon tu as avec toi. Le professeur Orm te l'a donné. Et alors, que t'a-t-il demandé? Oh, ça a l'air compliqué, mais il te fait confiance. Il ne faut pas le décevoir. Ah, j'allais oublier. On a reçu le Pokématos que j'avais envoyé à réparer. Tiens. Et du coup, on reçoit le Pokématos. Le matériel à Pokémon, abrégé en Pokématos. Tous les dresseurs sérieux en ont un. Et ça sert aussi à téléphoner. Tu te souviens comment ça marche? On va dire non, parce que du coup, je ne sais vraiment pas. Alors, lisons le mode d'emploi. Choisissez le Pokématos sur l'écran inférieur, puis touchez l'icône de téléphone. Le nom des correspondants est automatiquement enregistré. Tu n'as qu'à le sélectionner pour appeler. C'est incroyable que ce soit aussi facile de téléphoner. Ah, le Pokématos, du coup, qui est l'objet un petit peu technologique qu'on a dans cette version, qui est un peu l'équivalent du Pokénav à Owen, ou alors de la Pokémontre, justement, à Sinnoh. Et ben là, c'est le Pokématos. Donc du coup, si je regarde... Ok, ben on a Maman, du coup, on peut appeler Maman. Allez, on va l'appeler. Allô? Mon poussin, tout se passe bien avec le professeur Orm? Je sais que tu n'abandonneras pas, je compte sur toi. D'accord. Oh, vous avez l'heure en plus. Il est 21h05. Je vous ai pas menti tout à l'heure. Hein. Ok, parfait. Donc du coup, il faut qu'on aille voir le... Monsieur Pokémon. Ok. Bah écoutez, je pense que ça doit être par ici, parce qu'il a dit que c'était... Eh oh! Il a dit que c'était au niveau de Ville-Griotte, je crois. Ça doit pas être ici. Ici, c'est Bourgeon. Figure-toi que j'ai failli oublier de te donner mon numéro de téléphone. Ah, ok. Maintenant qu'on a le Pokématos, on va pouvoir enregistrer les numéros de téléphone de tout le monde. Allez, téléphone-moi s'il y a le moindre pépin. Eh, j'avais pas vu, attendez. J'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un qui regardait au carreau, là-bas. Hein? Ça me... Hein? Qui était, toi? C'est donc ça, le célèbre laboratoire du professeur Orm. Tu veux quoi? Me regarde pas comme ça. Oh, oh, oh. Calme-toi, hein. Non mais oh, doucement. T'énerve pas. Ok, alors on est sur la route 29, du coup, et je pense qu'on va pouvoir éventuellement rencontrer nos premiers Pokémon. Attention, attention!
qu'est-ce qu'on va avoir en août? Août! Magnifique! Magnifique, magnifique. Et Aïssandre, à toi de jouer, Aïssandre. Vas-y, fais un gros yeux. Hop, voilà, parfait. La défense baisse, comme ça je vais pouvoir mieux le taper. Ah, oh, il fait rugissement, non! Du coup, mon attaque baisse, même si j'ai baissé sa défense, mais bon. On va commencer à le taper. Allez, bim. Ok. Clairvoyance. Oh, je suis pas de type spectre, ça sert à rien. Tu m'as identifié. Je suis un hérissandre. Ah, ça fait plaisir de reprendre un Pokémon avec les combats, l'interface de combat, etc. Ça me manquait. Hop, allez. Oh non. T'aurais pu faire un petit coup critique, le mettre KO. Comme ça, on aurait remporté notre premier combat. Mais, voilà. Sans perdre un point de vie en plus. Magnifique. Trop fort, celui-là, il semble. Il est trop fort. Ok, parfait. Parfait, parfait. Alors, on va continuer d'avancer un petit peu. Voilà, j'ai dit, on va sûrement rencontrer d'autres Pokémon. Alors, non, encore un Hoothoot. Ah bah oui, mais en même temps, je joue de nuit. Alors forcément, on risque de rencontrer beaucoup de Hoothoot, en fait. Hein. On va refaire la même méthode, genre un gros yeux et après des charges. Voilà, un petit gros yeux, on baisse sa défense. Alors, j'allais dire, voilà, ce serait bien que tu me fasses pas rugissement. Comme ça, au moins, tu me baisses pas mon attaque et je vais pouvoir peut-être te tuer en deux ou trois coups. Trois coups, je pense. Hop, ok, clairvoyance, vas-y, clairvoyance, fais tout le temps clairvoyance. Ok, là je pense que tu m'as bien identifié, je pense que tu as bien vu qui j'étais, un hérissandre, la taille que je fais, le poids que je fais, je pense que là tu as tout vu. T'as tout vu. Ok, allez, un petit dernier charge, je pense, pour la route. Yes, parfait. Parfait, parfait, on va peut-être monter de niveau avec ça. Yes, et ben voilà, 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 un petit niveau 6. Et on apprend brouillard, parfait. Ah, je pensais qu'on allait apprendre une attaque... Non, l'attaque de type feu, je crois que c'est niveau 9 ou 10. Ok, ok, ok. Alors, il y a un petit dresseur, mais je ne pense pas, parce qu'il ne marcherait pas comme ça. Salut, comment vont tes Pokémon? S'ils sont fatigués ou qu'ils ne peuvent plus se battre, évite de marcher dans l'herbe. Ok, ok, ok. Bon, là, il y a des petits arbres qu'on ne peut pas couper pour le moment. Ok, et on ne peut pas aller par ici. C'est moi ou... Ah non, on nous a pas encore donné les chaussures pour courir. J'allais dire, je me traîne un peu, là. Puis je me dis, bah oui, je ne cours pas. Mais en fait, je ne peux pas courir. On va marcher dans l'herbe. Écoutez, hein, nous, pour l'instant. Ok, alors là, je sais pas vraiment où faut aller. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Encore du Hoothoot, niveau 3. Parfait. Ok, maintenant qu'on est niveau 6, on va faire un petit gros yeux. Mais je pense qu'on va taper peut-être un peu plus fort. Ça devrait être pas mal. En tout cas, voilà. Pour l'instant, les combats, je les fais parce que l'XP, c'est toujours bon à prendre. Hop, voilà. Les petits charges. Puis bon, c'est les premiers combats, donc on va pas squeezer les premiers combats quand même. Hein. Ok, rugissement. Alors, ça m'arrange pas vraiment. Bon. Par contre, là, les Hoothoot... Ah, voilà. J'allais dire, les Hoothoot, ils ont pas d'attaque offensive ou comment ça se passe? Parce que bon, depuis tout à l'heure, ils me font du clairvoyance, rugissement, mais ils m'ont jamais attaqué. Mais là, oui, celui-là, il m'a fait un petit charge, là. Ah ouais, t'as voulu m'attaquer. Eh bah tiens, allez, va-t'en. Oh non, je l'ai pas eu. Oh non, il me réattaque. Allez, va-t'en, envole-toi. Hop. Allez, à bientôt. Parfait, un petit peu d'XP. Très bien. Oula. Oula, 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 oula. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai un bug. Trouve potion. Ok. Attendez, mon personnage. Je vois plus mon personnage. Attendez, si je vais voir dans le sac, si je reviens. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Hé! Hey. Pourquoi ça me fait ça? C'est pas normal. Ah! Je suis réapparu. J'essaierai de regarder. Pourquoi ça a fait ça? Si vous le savez, si vous avez déjà rencontré ce problème, n'hésitez pas à me le dire. Mais j'essaierai quand même de regarder le... Pourquoi j'ai été un petit carré noir à un moment? Je ne sais pas. Ok, alors toi t'es niveau 2, je vais t'attaquer direct. Je vais pas perdre de temps. Vas-y, rugissement. Voilà. J'ai bien fait parce qu'en plus il m'a fait rugissement. Allez, attaque. Mais ouais, j'essaierai de regarder ce...
Étrange. Un petit bug graphique comme ça, je pense que c'est lié sûrement à l'émulateur, mais faut que je regarde les options de rendu. Mais si vous y connaissez, ouais, n'hésitez pas à me dire. Hop, et voilà, parfait. Ah, ce serait bien de monter. Allez, peut-être niveau 7 avant la fin de l'épisode. Avant... Ouais, c'est ça. Hop. Tac. Ah. Et ce serait bien qu'on rencontre autre chose que de out. Ah bah voilà, parfait. Écoutez, on va peut-être monter niveau 7, et en plus on rencontre autre chose qu'un out. Ok, donc ratata. Ok, ouf. Ça risque d'être tendu. Il est niveau 4 quand même. J'ai pas fait gaffe combien il m'a enlevé de vie. Alors là j'ai 10, il m'enlève 4. Ok. Ah mince. Ok, alors vas-y, charge. Ouais, donc là... Ah non, mince, il a charge aussi. Ok, il m'enlève 4 aussi. On va utiliser la potion. Hop. Oh, j'en ai les potions. Je croyais que j'en avais qu'une, du coup, parce que on m'en avait donné qu'une. Mais en fait, j'en avais déjà 5 dans le sac. Bah écoutez, plutôt intéressant, ça. Plutôt intéressant. Ouais, je me permets d'utiliser les potions en début, voilà. C'est vrai que c'est assez rare que je le fais, mais là, j'avais pas envie de mourir sur un ratata, quand même. Ça aurait été la honte dès le début. Oh ! Le coup critique, là, non mais oh, ça va, hein ? Non mais oh, n'importe quoi, ça, les coups critiques. Tiens, pour la peine, KO. Hop, et t'as intérêt à me faire monter niveau 7. Voilà, parfait. Ok, bah écoutez, ça, c'est plutôt cool. On a monté de niveau. Hop, alors j'aimerais bien juste sortir de ces herbes. Allez, voilà, aller jusqu'à là-bas, et voilà, on va pouvoir s'arrêter juste ici, on va pas avancer plus loin. Alors, je vais juste parler à mon petit Rayson, est-ce qu'il a quelque chose à dire? Ah, il est pas content, il est étourdi. Oh, ah, puis maintenant il est content. Il veut passer devant, vas-y, passe devant. Ah, et il me suit tout le temps, il veut passer devant, mais il me suit. Bon, en tout cas, écoutez, j'espère que ce nouveau Let's Play vous plaît, que le concept du Baby Challenge vous intéresse, parce que pour le coup, ça risque d'être intéressant. En fait, je me suis lancé là-dedans, je sais pas ce que ça va donner, est-ce que ça va être compliqué ou pas. Je pense qu'au bout d'un moment, ça risque d'être assez compliqué, dans le sens où on va rencontrer des Pokémon évolués, et nous, on le sera toujours pas. Alors que, bah du coup, eux, leur stade de défense, etc., d'attaque, seront bien plus hautes que les nôtres, donc ça risque de se corser, mais pour l'instant, c'est un début assez tranquille, avec notre petit Hérissande. En tout cas, je suis vraiment très content de revenir sur du Pokémon, et bien écoutez, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce en l'air si vous êtes content du retour de la licence Pokémon, et de l'arrivée de ce nouveau Let's Play. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Bye tout le monde!